sommes dans Berthier-Masquinongé, au cœur d'un territoire presque entièrement rural. Ici, certains des enjeux électoraux sont à des années-lumière de ceux qu'on retrouve en zone urbaine. Nos détaillants qui sont tournés vers des produits de dumping européens qui rentraient ici à 10 $ le kilo de moins que notre prix de gros qu'on vendait. Donc, on subit le dumping. Guy Dessureau est fromagier. Pour lui, comme pour plusieurs autres artisans locaux, la question de la concurrence étrangère, ce qu'on appelle le dumping, dans les ententes signées entre le Canada et les pays étrangers, est préoccupante. Je vous dirais, les ententes qui ont été signées par le gouvernement fédéral avec les échanges commerciaux avec l'Europe. Donc, tout au cours de depuis 2 ans, on a subi pas seulement la COVID, parce qu'on a quand même été soutenu pendant la COVID par notre clientèle québécoise, mais le dumping européen qui s'est fait sur nos marchés, tous les fromages européens qui rentrent ici subventionnés, c'est vraiment ça qu'on a subi. Et puis, on ne s'attendait pas à avoir autant d'impact, puis aucun soutien de la part du fédéral par rapport à ça. À terme, là, pour le lait, les producteurs parlent de 18 % du marché qui va venir de l'extérieur à terme. Mais le système de gestion-là ne fonctionne plus. Dans les premiers mois de la COVID, vous vous souvenez qu'on a augmenté la cote de crédit de la Commission canadienne du lait, pour qu'on jette moins de lait. Mais si ça continue de rentrer de l'extérieur pendant que nos producteurs réduisent la production, ça ne fonctionne plus. Ça va être très important de garder notre autonomie alimentaire. On ne devrait pas aller chercher des légumes, des fruits de l'extérieur. On devrait produire nos fruits, nos légumes ici au Canada. Toute l'année? Oui, toute l'année. Ça, ici, c'est facile d'installer des serres qui pourraient fonctionner 4 saisons. Mm-hmm. Puis, ça serait très important. Absolument, puis c'est dans les objectifs. Mais il ne faut pas se faire d'illusions, par contre. On ne sera jamais 100 % en autonomie alimentaire. Le Canada et le Québec sont des économies d'exportation. On a plusieurs de nos productions agricoles qui vivent des exportations. On ne veut pas arrêter ça demain. Mais ce qu'on voudrait, c'est augmenter la capacité locale et minimiser le transport qui n'a pas de bon sens. Alors, comment se porte votre domaine actuellement avec tout ça? Notre domaine, il est très compétitif. Parce qu'au niveau des petites fromageries, on est bien soutenu par notre clientèle. On est compétitif parce qu'on est efficace, on est bien équipé. Puis, on a un savoir, on a une connaissance, on a des gens qui sont compétents. C'est ça qui fait qu'on se tire d'affaires quand même. Mais il ne faudrait pas que le fédéral nous mette d'autres contraintes comme on a eu au cours des années précédentes. C'est sûr qu'en agriculture, puis tout à l'heure, j'aurais peut-être pu en parler, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses locales qui se font et justement qui ont été mises en place, je pense notamment avec le début de la pandémie, où justement on n'avait pas accès à plein de choses. Puis oui, l'approvisionnement, comme vous dites, c'est beaucoup de transport, mais ça a été très difficile aussi. On s'est rendu compte que finalement, on est très dépendant de que ce soit l'avion, que ce soit les conteneurs qui se promènent pour le moment entre tous les océans et tout ça, que le prix, comme vous venez de dire, a vraiment augmenté. L'empreinte carbone des aliments. Les producteurs me disaient comment ça se fait qu'on a toujours des tomates qui viennent du Mexique alors que nous, on en fait, ainsi de suite. Mais à un moment donné, il faudrait peut-être aussi ajouter le poids du transport sur la tomate mexicaine. Parce que si nos producteurs ici doivent payer une taxe carbone, participer à une bourse du carbone dans le cas du Québec, comment ça se fait que la tomate mexicaine, elle n'a pas à le payer? On appelle ça la réciprocité des normes, hein, aussi. Ça va être un de mes principaux chevaux de bataille dans les prochaines années. Une autonomie alimentaire dans la circonscription ici, où il y a une grande partie qui est rurale, par exemple, où il y a des terres très riches, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut quoi? Il faut implanter des serres? Il faut faire quoi pour viser ça? Il faut implanter des serres. Ici, comme à Sainte-Geneviève-de-Berthier, là, on a des serres là, qui sont en train d'agrandir leur capacité de production. Regardez comment Québec, là, on a Savoura qui produisent des tomates. Et c'est facile de produire de la laitue. Parce que là, qu'est-ce qui va être le plus important? C'est, OK, c'est sûr que c'est important d'avoir des bonnes serres bien installées. Mais aux États-Unis, là, on a regardé ça, là, solaire, l'énergie solaire, ça coûte rien, ça pollue pas. Surtout avec les nouvelles plaquettes là, solaires, les nouveaux panneaux solaires, 10 fois plus efficaces. C'est sûr que les autos électriques, on s'en va là-dessus, mais je trouve que
ça tarde. C'est la chose dont on parle jamais, ça. Bien, c'est ça, mais c'est parce que faut commencer par la base. Si on veut réduire la pollution, il faut commencer par la base. Il faut aussi augmenter la capacité de transformation régionale. Comment ça se fait qu'un producteur de bœuf doit transporter son animal sur des milliers de kilomètres pour le faire abattre, puis ramener les quartiers congelés dans le sens inverse? On parle de réchauffement climatique, on essaie de réduire les transports. Il y a un non-sens là-dedans qui est complètement absurde. Et donc oui, il y a eu plein d'initiatives qui ont été mises en place, donc notamment, bon, ici je vais parler vraiment pour Masquinongé, mais je suis sûre qu'à Berthier, il y a plein de... le marché, tout ça. Mais donc, il y a plein d'initiatives comme... et puis, évidemment, le nom va m'échapper, mais Caxton Mange, il y a aussi Panier Masqui, des choses comme ça. Donc là, en fait, ce sont tous les producteurs locaux qui se sont mis ensemble, qui ont créé une plateforme. Et donc, moi, mettons, en tant que consommatrice, je peux aller faire mon panier d'épicerie, puis c'est apporté chez nous, ou on va chercher un point de chute. Puis le point de chute, c'est vraiment proche de chez nous. Je veux dire, on passe presque devant quand on va chercher les enfants à l'école ou quelque chose comme ça. Et ce sont vraiment les producteurs locaux. Donc, c'est pas quelque chose... qui n'ont pas voyagé sur des milliers de kilomètres. Exactement. Puis, on les consomme tout de suite, donc c'est frais. Puis, il y a quand même pas mal de fermes ou de petits producteurs qui sont bio ou qui n'ont peut-être pas la norme, mais qu'on sait qu'ils n'utilisent pas de produits chimiques. Donc ça, c'est vraiment, je trouve, c'est vraiment à encourager. C'est sûr que c'est pas parfait, mais on est pris un petit peu avec le pétrole encore quelques années, mais il faut s'en débarrasser. Il faut s'en débarrasser. On n'a pas le choix parce que ça fait peur. Moi, je vais être grand-père, là. Puis je me demande, mon petit-fils qui s'en vient, là, je vois-tu vraiment... ça m'émeut. On est dans un cul-de-sac. Le gouvernement du Québec nous dit qu'il faut viser l'autonomie alimentaire. On est loin de ça, madame. On a les fermes, on a les terres. Mais ça prend de la recherche et développement. C'est pas juste de dire on va bâtir des serres, puis on va mettre de l'hydroélectricité là-dedans. Ça prend de la main-d'œuvre. Main-d'œuvre qualifiée, de la main-d'œuvre permanente. C'est que la pénurie de main-d'œuvre est ici particulièrement grave. On a justement ici des restaurants qui sont même pas capables d'ouvrir à cause du manque de personnel. C'est un enjeu qui est beaucoup, beaucoup un problème dans la région. Toutes nos entreprises sont en difficulté présentement. On a fait une sortie là-dessus d'ailleurs la semaine dernière. C'est l'urgence, là. Puis quand je parle des entreprises, je parle des entreprises manufacturières, mais aussi je parle des restaurants. On a plusieurs restaurants qui ont fermé au cours de la dernière année. On a des producteurs agricoles aussi qui ont beaucoup de difficultés à faire les récoltes, à recevoir. Même quand on parle du recours aux travailleurs étrangers temporaires, c'est difficile. Donc, c'est la grosse difficulté, clairement. Les agriculteurs, ils ont beaucoup de difficultés. Ils ont souvent même des pertes de récoltes à cause du manque de main-d'œuvre. Ça, c'est du gaspillage alimentaire. Certains produits aussi commencent à faire défaut. On est en pénurie de foin. Je vous donne un exemple, les sécheresses. On a eu une sécheresse, nous autres, cette année, et l'année dernière, épouvantable. Le prix du foin s'est mis à monter en flèche. Une balle de foin ronde, là, de 5 pieds de diamètre, coûtait environ, mettons, on va dire en 2019, environ entre 40, 45, 50 $ la balle. Présentement, c'est 80 $ la balle. Donc, si vous avez un troupeau, puis que ça vous prenait X balles, multipliez monnaie par la différence, tu n'as pas plus pour ton bœuf. Tu fais quoi, là? On le voit parce que c'est un comté qui est rural. C'est plus difficile de retenir aussi les jeunes, plus difficile d'attirer la main-d'œuvre ici. Et on le voit surtout dans le milieu agricole. Et la main-d'œuvre, la pénurie de main-d'œuvre dans le milieu agricole, ça ne date pas d'hier. C'était déjà très, très, très implanté depuis nombreuses années. Et maintenant que ça se vit dans tous les secteurs de l'économie, bien, le milieu agricole est davantage touché. Mais pour 80 employeurs, on a besoin d'au moins 400 travailleurs étrangers. C'est sûr que le secteur maraîcher emploie beaucoup. Mais par contre, le porc, le lait, les grandes cultures, on a besoin. Et quand tu formes ces travailleurs-là, tu veux bien qu'ils reviennent chez vous, ils sont formés. Mm-hmm. Et aujourd'hui, on peut dire que, je dirais, 60 % ne reviennent plus. On a proposé à la ministre des études d'impact une fois aux 5 ans. Déjà beaucoup moins de paperasse, beaucoup moins de lourdeur pour les entrepreneurs. Des visas de 3 ans. Encore tantôt, là, je vous disais, j'ai rencontré les producteurs maraîchers. Là, le producteur qui me dit, écoute,
J'ai deux travailleurs qui viennent demain. C'est leur 14e contrat. Puis ça a été l'enfer de les faire approuver encore. Et de longs mois d'attente avant d'obtenir les papiers. Ça n'a pas juste pas de sens, ça devient complètement ridicule. Là. Moi, je pense qu'il y a peut-être une avenue possible. L'immigration. Moi, j'y crois. Il faut commencer à quelque part pour aller chercher des familles, les établir. Et ça, je pense que ça pourrait être une avenue qui nous aiderait éventuellement. Sauf que les délais sont très longs. Oui, mais c'est comme je disais tantôt, si on ne sait rien, on n'aura rien en vie. Est-ce qu'on peut émettre des visas de 3 ans qui seraient renouvelables à chaque année? Donc, à chaque année, on peut décider, bien, ce travailleur-là, ça va bien. La saison s'est bien passée, je renouvelle le visa d'un an, ce qui donnerait à nos entrepreneurs, parce qu'on oublie trop souvent que les producteurs agricoles, ce sont des entrepreneurs, ça leur donnerait de la prévisibilité. C'est de ça dont nos employeurs ont besoin. De ça et de relève également. En juin dernier, le Parlement et le Sénat canadien adoptaient la loi C-208, modifiant la loi de l'impôt sur le revenu pour les transferts de sociétés agricoles, par exemple. Maintenant, les agriculteurs peuvent bénéficier des mêmes avantages fiscaux s'ils vendent leur entreprise à un membre de leur famille que s'ils vendaient à un étranger. Ça ne règle pas tout, mais ça faisait des décennies qu'ils le demandaient. Jusqu'au mois de juin, c'était 2 fois plus payant vendre sa ferme à un étranger qu'à son propre fils. Ça n'a pas de fichu bon sens. Le gouvernement libéral nous répondait sans même rigoler, ce qui c'est pour éviter de l'évasion fiscale. C'est difficile de rester calme toujours dans ce Parlement des fois. On parle de pénurie de main-d'œuvre, mais on parle aussi de relève agricole. Ça aussi, c'est un autre enjeu qui touche directement les gens d'ici parce que c'est pas facile en ce moment pour les agriculteurs qui sont sur le point de prendre leur retraite de trouver une relève qui est intéressée à reprendre les activités avec les conditions dans lesquelles ils doivent opérer chaque jour. Donc c'est un autre enjeu et ça appartient aussi à la pénurie de main-d'œuvre, mais ça touche davantage. C'est important de créer, former du personnel, puis surtout d'avoir des écoles de métiers pour que les jeunes s'intéressent à l'agriculture. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes qui veulent aller travailler en agriculture. Parce que c'est un métier, je trouve, qui n'est pas assez valorisé. C'est plus rentable de vendre que d'essayer de trouver le moyen de... Absolument. Surtout, par exemple, avec une ferme laitière, avec les quotas de lait et tout ça. Oui, ça devient presque plus rentable de vendre, mais encore là, à qui on vend? Oui. À qui on vend? À qui on vend? Bien, des fois, c'est à des consortiums étrangers. Voilà. Et là, le Québec va perdre... On n'a parlé que de cette province. Risque de perdre sa... En fait, c'est terre. Hein? Bien, c'est terre. Et son autonomie de production. Là, on parle de production laitière, par exemple, mais ça peut être pour n'importe quel domaine de l'agriculture. C'est un gros, gros enjeu, puis il faut s'y attaquer. Hein? On en veut de l'agriculture, on veut nourrir notre monde, mais il va falloir s'investir pour le nourrir et trouver une façon de faire, à un moment donné, pour amener le monde dans le secteur agricole. On a parlé d'attractivité tantôt, là. Écoutez, il va falloir à un moment donné s'investir. La formation, comme vous dites, une formation continue, une formation aussi qui va avec... aujourd'hui, par rapport à il y a 10 ans, il y a un monde de différence. Vita. Viens. Attention, hein, Rob, c'est des fils électriques, OK? Ouais, Vita, viens. Oui, c'est mon petit bébé. Oui. Elle ne touche pas au fil, elle, non plus. Non. Hein, elle mais là, elle attend, parce que d'habitude, quand je l'appelle... Vous lui donnez quelque chose. Il y a tout le temps quelque chose. Une quelque pomme. Chose à lui donner? Bien, il faudra que j'aie des tables, là. Dans mon secteur, moi, ici, il y avait 17 entreprises agricoles producteurs de lait. Il n'y en a plus aucune. Qu'est-ce qui s'est passé? Le monde a vieilli. La relève a dit, moi, je suis mieux d'aller suivre un cours, je ne sais pas, mais en enseignement ou peu importe. Le monde ne sait plus ce que c'était, madame. C'est pas comme des années 50, là. Ils ont découvert l'univers. Ils ont pensé que c'était mieux, là, l'herbe était plus verte à côté. Mais il y a une raison. Ça a fait, à un moment donné, que ces entreprises-là ont fermé. Les résidences ne sont pas parties, là. Il y a encore du monde qui habite. Par contre, le voisin qui était un peu plus gros, lui, s'est mis à acheter des terres. Et là, on se retrouve avec des grandes cultures. Est-ce que, ici, dans une circonscription comme ici, où c'est évident et où tout le monde en parle, là, est-ce que ça va faire en sorte que ce message va passer auprès des partis davantage? Au niveau national, oui. Passer?
C'est un peu dur à dire, mais honnêtement, je ne pense pas que ça devienne l'enjeu, la question de l'urne encore, non, malheureusement. Mais la différence, c'est qu'ici, l'agriculture locale, et ici, les agriculteurs, c'est vos voisins, c'est vos amis, c'est votre frère, c'est votre mère. C'est ça la différence avec les milieux urbains, par exemple. Est-ce qu'il y a quelque part des politiciens, des politiciennes, des élus ou des candidats de différents partis qui comprennent très bien ces problématiques-là puis qui sont prêts à faire quelque chose pour vrai? Bien, écoutez, on est en période électorale. Bon, on a reçu à la maison de l'UPA les chefs, on a invité les chefs des partis et les représentants ou représentantes pour venir. On avait des questions. Bon, c'est la seule fois qu'on entend parler d'agriculture. Sur les débats des chefs, n'avez-vous entendu parler, vous? Du tout. Moi, j'en ai pris deux, puis aucun. On n'existe pas. Ce sentiment, il est tangible chez cet électorat qui ne sent pas toujours qu'on le flatte dans le sens du poil, comme on dit. Comment tu dis? C'est sans doute pourquoi son cœur balance entre le Bloc québécois représenté par Yves Perron, élu en 2019, et le NPD avec sa candidate vedette, Ruth Hélène Brosseau. Mme Brosseau s'est annoncée presque deux semaines plus tard là, que le déclenchement de la campagne. Et malgré ça, au jour d'ouverture de la campagne, elle était première dans les sondages, même si elle n'était pas encore annoncée comme étant candidate. Mme Brosseau avait décidé de ne pas nous accorder d'entrevue, mais nous sommes allés à sa rencontre alors qu'elle se rendait à un débat entre les candidats locaux organisé par la Chambre de commerce. Dites-moi, est-ce que vous êtes confiante? Ça va bien. On a eu des belles rencontres. C'est sûr que ça va vite, hein, une campagne électorale. Oui. Puis, non, on est présents sur le terrain, on a des bénévoles extraordinaires, donc... Qu'est-ce qui vous a décidé à revenir cette année? Depuis la défaite en 2019, je travaille sur la ferme. C'est une entreprise agricole, un élevage de grand gibier. On fait la mise en marché, on a une boucherie. Pour moi, les défis sont grands. Puis souvent, les enjeux reviennent. T'sais, le coût de la vie, la rareté de la main-d'œuvre, l'environnement. On est en crise climatique. Il faut avoir des mesures extraordinaires pour combattre nos gaz à effet de serre, les investissements au niveau du transition vert. Donc, c'est pour ces enjeux-là pourquoi je me suis décidée de me lancer en politique encore une fois. Puis je me suis beaucoup ennuyée déjà pendant la pandémie. Donc, moi, les rencontres avec les gens, les échanges, les propositions de solutions, ça me donne l'énergie à poursuivre. Il y a toujours une histoire d'amour depuis les 8 dernières années entre les électeurs ici d'Ambertier-Massillonger et Mme Brosseau. Donc oui, ça va être très serré parce qu'elle a commencé évidemment une campagne en retard, mais elle jouit d'une très grande notoriété contre Yves Perron et le Bloc québécois qui sont rentrés quand même assez fort avec une vague en 2019. Et M. Perron a fait aussi là, une très, très bonne performance, je vous dirais, de député dans les deux dernières années, très présent sur le terrain. Il est devenu aussi un peu la voix officielle du Bloc québécois dans toute la région aussi, Mauricie Lanaudière. Donc, oui, ça, on a affaire à deux grosses pointures, puis oui, ça va être très, très serré. Bonjour, vous avez mon appui. Oh, et puis, longue vie. Ottawa, vous êtes courageuse. Ouais, courageuse ou folle, je sais pas. Quand tu fais la politique, je pense que ça reste en toi. Ouais. Je ne sais pas ce qui va arriver le 20, mais l'important, c'est de parler des enjeux puis essayer de faire avancer. Ouais. On ne veut pas reculer. Ouais, mais c'est un noble métier. Le président, c'est la deuxième fois que je me lève dans la chambre ici et après ma première question la semaine passée. Je voulais remercier les gens de Parti Masquinonger. Je pense que mon entrée en politique, ça fait parler un petit peu. Pas de campagne, élue avec la vague orange, une fille de Gatineau qui parlait pas français ou manquait de confiance un petit peu. Je suis une femme qui travaille fort, une femme déterminée, mais aussi une femme qui est connue pour avoir la volonté et le drive à travailler avec tout le monde. Je vais être la première à le dire si un autre parti politique a une bonne idée. Si c'est une solution concrète qu'on peut mettre l'avant, qui va changer la vie des gens de chez nous, je vais le faire. Mm-hmm. Donc, oui, c'est une histoire d'amour. Puis, j'ai eu 8 ans à la Chambre des communes pour défendre les dossiers, leader parlementaire, whip, porte-parole en agriculture, mais depuis 2 ans, agricultrice. Donc, je connais bien les enjeux. Puis, oui, c'est une histoire d'amour. Puis, je m'ennuie des gens. Puis,
je profite de la campagne pour les rencontrer. Parce qu'elle est partie de rien, elle a appris la langue, elle a appris le travail, elle a été très présente, elle s'est montée une équipe très forte. En 2015, elle a résisté à la chute du NPD aussi avec Robert Aubin du côté Trois-Rivières et elle a été présente pendant 8 ans sur le territoire. Elle a adopté le territoire, elle s'est installée ici, elle est devenue agricultrice. C'est un peu une histoire de Cendrillon finalement, mais donc c'est ça. Elle s'est établie ici. Maintenant, elle travaille ici, elle s'implique, elle est dans des organismes qui luttent pour l'autonomie alimentaire, contre le gaspillage alimentaire aussi. Elle est elle a toujours été présente, même dans les 2 dernières années où elle n'était plus députée, on la voyait beaucoup. Et donc ça, c'est sûr que ça joue aussi en sa faveur. Ça va être un suspense jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Et de toute façon, avec la couverture médiatique que Mme Brosseau a d'habitude, c'est comme si elle était là dans les premières semaines. Là. Fait que tant qu'à ça, t'as aussi bien d'être là. Et on va régler ça de façon amicale. Je pense qu'on fait d'ailleurs une belle campagne jusqu'à maintenant. Ce qu'il faut que les gens de Berthier-Masquinongé regardent, c'est pas seulement la personne, c'est aussi quelle est la plateforme de son parti. Ça n'a rien à voir nécessairement avec le parti ou son programme. C'est vraiment la personne. Et ça, c'est rare au niveau fédéral qu'on voit que le candidat est plus important que son parti. Mais c'est ce qui arrive vraiment avec Mme Brosseau. C'est un peu un phénomène politique là, qu'on s'explique plus ou moins en ce moment. Mais évidemment, bon, on connaît l'histoire de Ruth-Hélène Brosseau. Donc évidemment, ça a amené cette espèce de sympathie aussi envers elle. Vous allez enlever les masques le temps de la photo. Ce qu'on va essayer de faire, c'est... Au cours de ce débat, elle a dû se prononcer sur l'épineuse question de l'appui à la loi 21, notamment. Notre chef, M. Singh, parce qu'il a ouvertement annoncé à plusieurs reprises qu'il s'opposait à la loi 21, qu'il la considérait discriminatoire et qu'il allait permettre la contestation. Ça permet même, mais c'est très déplorable, là, de nous traiter de racistes en pleine chambre des communes, jusqu'à en être expulsé. C'est quand même pas rien. Alors, je compte sur vous pour parler de l'intérieur, pour améliorer cette position-là, parce que c'est vraiment triste d'apprendre ça. Ce sont les choix du Québec, les valeurs du Québec, et la laïcité, ce n'est pas discriminatoire. Contrairement, c'est de mettre tous et chacun égal face à l'État. C'est ça la philosophie derrière ça. Et moi, quand j'entends la chef du Parti vert offrir à mon chef de l'éduquer, ça me dépasse complètement. Hein. Je pense qu'il faut protéger nos champs de compétences et on sera au poste. On l'a déjà fait, on va le refaire. Merci. Merci, M. Perron. Madame Brosseau, 30 secondes pour conclure. Donc, c'était dit dans le passé, c'était dit à multiples reprises, puis je le dis encore, on ne va pas contester la loi 21. C'est une juridiction provinciale. Il faut que je monte en haut de l'église pour me crier haut et fort, je ne sais pas. Ça finit là. C'est tout ce que j'ai à dire. Puis, qu'est-ce qui est arrivé au débat en anglais? C'est horrible. Le bashing, l'agression, le manque de respect. Désolée. You deny that Quebec has problems with racism, yet you defend legislation such as Bills 96 and 21, which marginalize religious minorities, Anglophones, and Allophones. Quebec is recognized as a distinct society, but for those outside the province, please help them understand why your party also supports these discriminatory laws. Une question qui, soulevée lors du débat en anglais, a provoqué une certaine indignation dans la belle province. Le Bloc québécois espère que ce sentiment se traduira en vote. Quand on pense à Jack Metzing, qui dit à qui veut l'entendre depuis 2 ans et plus, que lui, il trouve que la loi 21 sur la laïcité au Québec, elle est discriminatoire et qu'il souhaite qu'elle soit contestée et qu'il souhaite que le fédéral finance cette contestation-là. Ça, c'est un non-sens total. Ça voudrait dire que la moitié de nos taxes qu'on paye à Ottawa viendrait contester l'autre moitié de nos taxes qu'on paye à Québec, qui, avec un gouvernement majoritaire élu de façon légitime, qui a pris des décisions pour le bien collectif. Le dossier du statut du Québec a également animé les échanges. La question, c'est à M. Perron. Je sais que la principale entité du Bloc québécois, c'est la souveraineté. Moi, j'aimerais ça savoir comment
qu'un parti comme ça peut faire la souveraineté. Je pense que la souveraineté, c'est au Québec. C'est le Québec qui va faire ça. Je pense que c'est pas le fédéral. Le fédéral n'a aucune chose à voir. C'est ma question. Merci, M. Perron. Ben, merci beaucoup d'avoir la super belle question. Effectivement, les éléments antis, c'est mon grand plaisir. Et notre rôle à la loi, c'est de protéger l'intérêt de la nation pendant qu'on n'est pas encore là. C'est ça la fonction, principalement. Et de porter le plan, de faire l'éducation aussi, de faire la promotion de notre projet d'indépendance nationale. Les enjeux locaux, pourtant, sont nombreux et ils ne se limitent pas aux questions de production agricole. Les trous cellulaires, la couverture des trous cellulaires dans la région ici, là, j'ai un village en particulier, Saint-Édouard-de-Masquinongé, qui sont en demande depuis plus de 10 ans et que le dossier ne bouge pas. Donc, je suis ça depuis 20 mois et là, je pense qu'on est rendu au point où il faut exiger un programme dédié à ça. Le problème est souvent qu'on laisse le déploiement de ces nouveaux services-là aux municipalités qui se forment entre elles par MRC, par exemple, des OBNL qui ensuite deviennent un peu responsables du déploiement de la fibre optique. Et ça s'est vécu directement ici dans Berthier-Masquinongé avec complètement la faillite finalement d'une de ces organisations-là qui n'a pas réussi à livrer la marchandise parce que ce n'est pas dans le mandat des municipalités que de déployer de la fibre optique ou que d'être à la tête du déploiement de ces services-là. Donc, il y a aussi la question de dire, est-ce qu'on va continuer de laisser les municipalités administrer, gérer toutes seules ces programmes-là? La question des transports en région est cruciale. On essaie aussi de mettre sur pied, justement, un réseau. Puis c'est ça que je dis, quand je disais, il y a là-bas le transport collectif, donc justement d'avoir des bus, d'avoir des taxis, d'essayer en fait que l'auto soit moins le centre du transport. Puis je sais que le Parti vert aussi aimerait ça vraiment beaucoup qu'il y ait un train qui parte d'Ottawa, si je ne me trompe pas, pour aller vers Québec, qui est un arrêt à Trois-Rivières. Là, vous allez me dire, ouais, mais Trois-Rivières, c'est pas Berthier-Masquinongé, mais on a quand même encore des gares aussi. Puis moi qui viens de la Belgique, je peux vous dire que le train, même s'ils sont parfois en retard, c'est vraiment un moyen de transport qui est vraiment efficace. Et celle plus universelle des effets à long terme de la pandémie sur nos vies. Moi, j'avoue que, bon, la pandémie, on essaye de voir ce qui est positif au travers de ça. Puis tout au début, je me suis dit, OK, on va aller à un rythme plus lent de la vie, on va revenir aux valeurs plus qui, à mon sens, sont importantes. On va être plus présent avec nos enfants, avec nos familles, avec nos amis et tout ça. Puis j'ai l'impression que c'est reparti en fou, là. Puis je me lance la première pierre, je vois ma vie, puis je suis comme « Oh my God! » Je pense qu'on n'a pas le choix. Il faut vraiment qu'on revoie notre façon de consommer, notre façon et donc de se déplacer. Et tout ce qu'on achète, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Puis oui, l'économie, mais l'économie à tout prix, pour moi, c'est non. Le candidat du Parti libéral, Alexandre Bellemare, très peu présent dans cette campagne, a choisi de ne pas nous accorder d'entrevue malgré nos demandes répétées. Reste à voir maintenant si, le 20 septembre, l'électorat sera aussi changeant que les couleurs de l'automne. Pour CEPAC, Catherine Lafrance, dans Berthier-Masquinongé.